Bonjour tout le monde, c'est Miggix. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur The Witcher 3. Et donc la suite pour l'école du chat. Et donc sur ce voyage, j'ai commencé à filmer là parce que tout d'un coup des événements me tombent dessus. Donc voilà, c'est vous, encore merci, je ne vous oublierai jamais, c'est un scoyataire. Donc on va lui poser ça, what. On s'est déjà vu, ou donc? Il y a longtemps, à Brokilon. Possible, mais je crains d'avoir oublié. Rien d'étonnant, vous étiez alors salement blessé. Sans l'aide des Dryades, vous étiez condamné. Aha. C'était il y a bien longtemps. Dans une autre vie, pour ainsi dire. Peut-être même littéralement. Oui, vu qu'il est amnésique. Alors. Je jetterai volontiers un coup d'œil à vos marchandises. Ah, ils vendent des trucs bien. Épée de Scoyatel. 404 balles quand même. J'ai même pas assez de sous pour acheter. Est-ce qu'on peut lui vendre un truc? 108, 132. 122. Allez. Pour combien? Pour 12 balles? Attends, pour 12 francs. Ouais, non, faut que j'aille voir un forgeron. Oh! Ça fait pas mal de sous-sous, ça. Bref, continuons. Baffel. Voilà, alors. Allez, Ablette. Est-ce qu'on peut descendre là? Oui, on peut. Non, on peut pas. Très bien. Pardon. Le gars, les critiques directes arrivent. C'est le con. Ah. Ah bon, merci. Oula, non. Qu'est-ce que tu peux pas grimper sur une petite montagne? Ah oui, tu peux. Ah, un moulin. Ah, c'est beau ça, les petits oiseaux. Bon, on va s'aventurer ici. Est-ce qu'il y a quelque chose? À part un lièvre. On n'est jamais venu ici. Verrouillé. Tu parles, mec. Ça, tu le défonces avec arme. Ou bien... Non, même pas. Bon, très bien. Dommage. J'aurais été sûr qu'on pouvait faire ça avec arme parce que, vu l'état de cette porte... Allez. Alors, allons-y. Ah, les petits gens qui travaillent. Ah, une petite tour. Petite maison. Oh là! Ils dorment ou? La peau est blême, mais aucun saignement. Ce n'est pas l'œuvre d'un vampire. D'accord. On fera plus tard, hein. On s'occupe du chat pour le moment. Alors, on l'a dit, on peut pas se taper. J'ai compris la technique. Ah, cheval. Ils sont méchants les chevaux. Oh. Allez. Ah. C'est pas toujours de chance. Allez, dégage. Je suis caché, je suis caché. Alors, allons-y. Effectivement, c'est pas son jour de chance. Dès que j'arrive... Oh, arrêtez de... Hein? On va voir là, il y aura bien un petit... C'est pas ce que je voulais faire. Elle est où ma ablette à moi? Ah, ma belle ablette, tu es là? Yup, 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 yup. Ouais, c'est bien ça, ablette. Alors, par là-bas, on a un petit village. Pardon, madame, j'écrase juste tes belles fleurs. Ah là là. Le respect est mort. Planquer les filles, voilà le sorceleur. Voilà, plein de contrats. Planquer les filles, voilà. Nouveau marqueur. Seigneur des bois. Oh bordel, mais tout ce qu'il y a. Ah! Un tas... Ouais, non, non, c'est pas. C'est qui lit? Alors, soldat, combien de gars des escadrons t'as tué? Moi, aucun pour l'instant. T'es surtout servi au nord, sur le front de Sud-Ouest. Ah, bah c'est bien si t'as pas de sang sur tes mains. Bon, tu vas... Vous allez me dire, t'es un sorceleur avec tout le sang que t'as sur... Chier, je me suis loupé. Ah, tu as perdu la vie. C'était le cadeau de ta naissance. Mais bon, vu que t'es né comme ça... Voilà. Salut. Ça va, toi? Profite de ce qui te reste à vivre. Ouais, il y a bête qui court. Elle a flippé. Tu te caches dans les arbres. Tu ne crois que je t'ai pas vu sur ma carte. Voilà. Tu es dans un arbre. Voilà. Bel arbre, hein. Ah, tu parles, la bête ne veut plus avancer. Oui, c'est clair que si tu vas contre un arbre, c'est pas évident. Vas-y. Allez. Allez, ablette. Ah oui, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas mis le chrono. Oula, qu'est-ce que... Ah, une chapelle, d'accord, j'ai cru que ça allait être un lieu abandonné. Oh. Ils laissent passer, eux? Ouais, ils sont gentils. Alors, tu vois, un grand voyage inattendu nous attend. Ah, un panneau. Ouais, passons par là. Passons par là, chers amis. On va couper ici parce qu'on est des Thug Life. Ablette reprend un peu d'énergie. Voilà. On trotte, on galope. Ouais, non, c'est bon, t'as rien à craindre. Je te l'avais dit, Ablette. Waouh. Sympa la baraque du gars là, hein. Et quand il n'y aura plus de monstres, comme disait l'autre, je m'achète une belle grosse baraque avec tous les sous-sous qu'on a. Et j'essaye de finir en faisant respecter. Surtout par eux. Ce sera déjà un bon début. En fait, il faut appuyer sur K pour cibler. Et appuyer sur toutes les touches. Il tourne. Voilà, c'est la fin de ta vie, c'est la fin de ton voyage, c'est la fin de tout ce que tu auras pu entreprendre dans ta vie. C'est triste, mais c'est la vie et la mort si je puis me permettre. Moi, bon, ce sera rien de chialer. Est-ce qu'on a encore dans les parages? Non, bon. On est vers où en fait? Ah, on se rapproche, hein. Allons-y. Sans, ouais, c'est pas ça. Un petit peu à pied, ça fait du bien. Pour changer enfin cette armure. En armure du chat. Qui va être stylée. Enfin, je l'espère. Je l'espère profondément, sincèrement. Ah là, ça doit être ici. Cool, on a le droit à un panneau d'affichage. Petite sauvegarde. Oh 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 oh. Oui, entrée, mais je pense que là, si on peut éviter de se fracasser la figure, ce serait bien. D'accord, on peut aller par là. Voilà. Ah, c'est magnifique. Oula. Bon, allons-y. On ne peut pas y aller. Ça, c'est bizarre. J'ai loupé quelque chose. Ok, c'est protégé par quelque chose. Alors, va falloir qu'on monte. Gérald, s'il te plaît. Allez! Mais tu me dis pas que tu peux pas grimper. Il y aura bien quelque chose ici. Je cherche quelque chose. Non! Gérald. C'est bizarre ce portail là parce qu'on peut pas un peu. Gérald, s'il te plaît. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Ah! Oh, de l'argent gratuit. Ah, le marqueur c'était entrée, non? On va visiter un peu les alentours, voir s'il n'y aurait pas quelque chose. Oh bah tenez, on va peut-être dormir un coup. Alors, jusqu'au jour. Alors, on se retrouve juste après, hein. Je regarde quelques trucs. À tout à l'heure. Petite ellipse, oui. Bon, en fait, il m'a pas fallu long pour trouver, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai fait cette ellipse. Regardez ça. Voilà. Voilà, c'était tout con. Ah ah! Je suis sûr on peut passer là. Alors, on va lire les notes. Ici. Ok, là, faut des trucs. D'accord. Alors. Du coup, je dois aller là ou pas? Non. Non, c'est toujours pas là. Alors, où c'est qu'on doit aller? Ah oui, pour une chasse au trésor, c'est une chasse au trésor. Ah, ici. C'est parfait, on a le point. Bon, allez, on remonte par... oui, de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Alors, allons-y. 6 sur 7, on a bientôt tout. Oh! Oh, 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 une torche enflammée. Oh, bon. Et j'ai profité pour bastonner parce qu'on avait des amis bandits qui sont venus à ma rencontre. Voilà. C'est tout ce que vous avez raté, hein, autrement. Alors. Juste ici, où il y a deux maisons. Lorsque votre direction, lorsque vous glissez. Oui, oui, effectivement. Tu maîtrises pratiquement bien, sauf quand il y a un gros trou et qui vient te niquer. Ah, c'est ici où on a vu les bandits avant. Alors j'imagine qu'un petit signe d'arde s'impose. Voilà, qu'est-ce que je disais. Une bougie, tiens, j'en ai jamais eu avant. Hey, non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, bah, alors monte si tu veux. Oh là, mais il vit dans un sacré truc ces bandits. Wouh! Allez, on va finir de voir. 6 sur 7. Ah, je crois qu'on avait trouvé. Oula. Non, 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 Gérald. Je veux pas ce qu'il y a ici. Non, non. Non, c'est tout. D'accord, très bien. On peut y aller, Gérald. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Aïe, je bug, je bug, je bug. Pas rattraper. Très bien, alors allons-y. Je préfère... Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'elle allait avoir une monstrueuse bête. Ouh, de l'argent pur. Oh, on a une belle vue en plus. Ah tiens. Bizarre. On dirait qu'une tornade est passée. Bizarre. On dirait qu'une tornade est passée. Tornade. D'accord. Alors, on va juste profiter pour... ...71. Mais c'est 10 fois mieux. Paf! Oh, et en plus c'est stylé. Oh oui, ça on aime. Ah, elle a besoin de réparation. Alors. Voilà. C'est déjà mieux. Autrement du chenille, comme d'hab. Plein de chenilles. D'accord. Oh, c'est stylé. Et... sacré lui. Alors. De l'argent pur. Ah bah ils avaient de quoi fouiller en fait. Allez, bouffe. Pif paf pouf. Gérald, pourrais-tu avoir la gentillesse d'avancer? Merci. Non, je suis pas dans un trou là. Qu'est-ce que... pourquoi? Mais pourquoi tu ne réponds plus? Gérald, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Écoute Gérald, tu fais ce qu'on te dit de faire. Hein. Alors... ah oui, un de ces sous-sols. Je sais pas, mais je pense qu'on va trouver... ah, il y a peut-être un... sacré tour, hein. Ouh, ce petit coffre m'a l'air bien joli. Ah, Gérald. Gérald, peux-tu avancer? Et ben voilà. Rendez-vous au teint, Romain. C'est fini. On a 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 fini. Alors. On va voir juste... ouais, ça c'est toujours la même brise. Pareil. Ah, disparition du professeur dans les ruines des elfes. D'accord, d'accord. Vous lirez vous, hein, si ça vous intéresse. C'est moi ou il tourne en rond? Quel con. Je pense qu'il va aller dans le futur, du coup il arrête pas de tourner en rond comme ça. Ah tiens. La traînée de sang mène à la cave. Bon on va voir ça, hein, ça nous tombe dessus. Formule rubébébé. Rubébébé. J'espère que c'est pas un truc trop badass comme on avait eu l'autre fois, hein. Bah oui, hein, parce que l'autre fois c'était un petit peu impossible vu qu'on était seulement niveau 9. Bah oui, hein. Oula. Les goules ont traîné le corps au sous-sol, mais elles ne l'ont pas tué. La peau est pâle et craquelée. Les goules ont traîné le corps au sous-sol, mais elles ne l'ont pas tué. La peau est pâle et craquelée. Y a pas quelque chose, c'est de l'eau là-dessous? D'accord, ça va. Alors, rendez-vous au teint, Romarin. C'est sur quelle quête ça? Ah! Il y a quelque chose. Où ça? Dans le coin ici. Tiens. Ah tiens, t'es là toi? Où t'étais, hein? Saloperie. Les goules ont traîné le corps au sous-sol, mais elles ne l'ont pas tué. La peau est pâle et craquelée. Ouais, il est mort parce qu'il a perdu un peu trop de son sang, je pense, hein. Hein, Gérald, nous aussi on est intelligents. C'est tout? C'est tout, d'accord, très bien. Pourquoi pas? D'accord. Du coup. Ouais. Ah. Voilà. Et fais gaffe, il y a eu du son là. Ouais, c'est ça, casse-toi. Ce sera mieux pour toi. Vous savez, le gars qui fait. Mon putain, je veux pas qu'il nous reste toute sa vie. Voilà, bah elle. Vous voyez, elle, c'est parfait. Elle est pauvre, elle n'a pas un seul rond. Et c'est une des seules personnes dans le jeu qui te dit quelque chose de pas négatif. Qui te dit pas dégage ou. Lui, je sais pas ce qu'il dit. Faut que je trouve du travail. Ah, puis t'es paysan, puis t'as pas de travail. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et sur ce soleil... Oh, Gérald a une auréole. Bouge pas, Gérald. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ce serait super sympa de votre part. À partager si je peux être célèbre. C'était grâce à vous, donc ce serait super sympa. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bon, allez, ciao tout le monde.